semaine seulement avant la route des étalons 2015, Al Namix s'est de nouveau illustré avec sa production en Angleterre, dans le temple de l'obstacle à Cheltenham, grâce à son fils Saphir Dureux qui a gagné un groupe 2 sur les haies. L'un des nombreux éléments illustrant la formidable production de Al Namix, qu'on voit aussi également à Pau grâce au champion du cross Toutankhamon. Ce fils de l'Inamix, avant de devenir un étalon confirmé, au Haran Mirande, Al Namix donc a été un remarquable coursier de 2 à 7 ans, triple vainqueur de l'Istud, précoce malgré un grand modèle puisqu'il toise 1,70 m. Il a couru 8 fois à 2 ans pour 3 victoires et a tenu ce rythme jusqu'à 7 ans, où il s'est imposé donc dans 3 l'Istud sur des distances de 1600 à 1900 mètres. On l'a découvert tout d'abord en tant qu'étalon avec Sable des Dunes, puis ensuite il a donné de nombreux vainqueurs sur les obstacles au top niveau, Solix, Safinette Kerser, Toutankhamon donc bien sûr le champion du cross, Street Name dans le prix Agado à Auteuil et tant d'autres, Grand Douette, Baby Mix et un mix qui a gagné le prix Murat en 2014. Al Namix fait la monte à 2500 euros au Haran Mirande en 2015.